Je me trouve dans la salle de lecture des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France pour vous présenter un manuscrit exceptionnel que la bibliothèque souhaite acquérir. Il s'agit d'un bréviaire à l'usage de la Sainte-Chapelle réalisé vers 1370 pour le roi Charles V. Dans ce manuscrit, richement illustré de 33 miniatures avec un décor extrêmement raffiné, se trouvent plusieurs portraits du roi Charles V. C'est un manuscrit intimement lié à l'histoire de France. Charles V est un symbole très important pour la bibliothèque parce qu'il est à l'origine de la première bibliothèque royale dont la Bibliothèque nationale de France est l'héritière. Par sa qualité artistique exceptionnelle, par son origine royale, par sa provenance, ce chef-d'œuvre, brillant témoin du faste gothique, constituerait un apport fondamental pour les collections nationales. Il sera conservé ici, sur le site Richelieu, récemment rénové et dont le musée conserve les plus grands chefs-d'œuvre des collections. Nous comptons sur votre générosité. Grâce à vos dons, le bréviaire de Charles V, un véritable trésor, pourra rejoindre les collections nationales. Merci à vous.